Et salut les amis, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de Let's Play de Need for Speed Most Wanted 2005. Et on va continuer tout de suite la carrière. Alors, comparé à l'épisode précédent, je n'ai toujours pas modifié le mode graphique puisque visiblement personne n'a l'air de s'en plaindre sur les 6 vues de l'épisode 3. Même la dizaine de vues de l'épisode 1, même si j'ai mis le mode que sur l'épisode 2. Donc bon, on est reparti. Donc cette fois-ci, on va affronter le 14e de liste noire, à savoir Tarz. Hop. Sachant que je crois que j'ai tout fait déjà en termes de défi. Merde. Défi. Ouais, j'ai tout rempli déjà, juste à le défiler. Parti. Normalement, je vais pas me TP hein, pour l'instant. Je vais faire les trajets. Tranquillement. Thank you.
deuxième course. On enchaîne. Je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts que les premiers. Entre 20 et 25 minutes, ça sera largement suffisant, je pense. Parce que 45, je vois, c'est un peu lourd quand même. Autant pour vous à regarder que pour moi à upload. Et c'est le prix de bagnole qui m'a gêné. C'est un peu chiant, c'est des fesses. Enfin, c'est pas vraiment des baisses ou ça. David, je suis mal optimisé. À la base, le jeu. Je sautille entre 45 et 80 FPS. Vu que j'ai limité avec frappe à 60, à ma vie, ça doit merder un petit peu. Que je la gagne cette bagnole là, cette fois-ci. Je crois que la petite astuce en fait c'était de, avec un peu de chance dès le début, de trouver la carte du concessionnaire, enfin la carte grise du joueur parmi les trois cartes disponibles. Et après je crois que ça se déplace, la carte se déplaçait de droite à gauche ou de gauche à droite, je sais plus. De toute façon j'ai refaire reprendre les mêmes cartes que j'ai prises précédemment, c'est-à-dire celle du milieu et celle de gauche. Normalement, je devrais avoir sa voiture. Premier deux cartes. Je la revendrai. Vu que j'ai déjà une Lexus. Certes, il peut avoir des pièces améliorées par rapport à moi. Mais en le battant, je débloque ces dites pièces. Donc, ça vaut pas trop le coup de switcher de voiture. Voilà, hop. Ce fut assez simple. Allez, je tire les deux passes. Donc je vais prendre celui de milieu. Et celui de gauche. Eh ben non, j'ai pas encore cette bagnole. Bon. Ah lui, je m'en souvenais plus. Avec là, une Toyota Supra. Ah ouais, c'est la Toyota jaune. Non, je déconne. Je crois qu'elle est bleue et blanche. Comme accoutumé, hop, on va tuner notre voiture avec les nouvelles pièces disponibles. Donc, bleu, hop. Frein. Voiture parée. Et on va taper un petit peu dans l'esthétique aussi. Table de peinture. Ah, mal métallisé. Je vais mettre un petit rouge métallisé. Parce qu'il conserve les vinyles. On va changer un peu. Voilà, hop. Bon, c'est con parce que je pensais que dans mon senti c'était comme dans Room 2, il y avait plusieurs couches de vinyle, mais visiblement non. Allez, et puis j'ai essayé d'installer un petit kit de carrosserie. Non.
je vais juste mettre les pièces. Un petit spoiler. C'est chiant ce bug là du curseur. Enfin, petit spoiler de tonneur. Hop. Alors, on va pas changer les pièces, faut juste, on est obligé de mettre un kit. Je vais mettre celui-ci. En termes de jantes, je vais mettre un PBS. Je suppose, simplement suffisant. C'est suffisant. C'est une balle. Hop. Un peu plus de gueule quand même. Allez, je vais faire deux autres missions. Et on se quittera là pour cette. Pour ce quatrième épisode. Les échecs parce que sinon les vidéos ont duré 107 ans. Ouais, le plus sec, je crois que c'est un cobalt. Voilà comment on gagne une course. Blablabla. J'espère que vous portez le Toyota Supra. C'est une bonne manœuvre. Hop, tire là. Là, libère. Alors, l'océan, donc, ça veut dire qu'en fait, là, si je bats le 13ème, je débloque une autre partie de la ville. Là, je vous montre. Normalement, je débloque cette partie-là. En battant le 13ème, et je crois qu'en battant le 10ème, le 9ème, je crois, de Block Rosebrook. On va faire la course, le circuit, et on se quittera pour ce 4ème épisode.
et j'enchaînerai pour le cinquième. Décidément, dans cet épisode, j'ai failli deux fois. C'est pas super. C'est élimination, c'est pas circuit. Allez, on va aller fumer. Même s'il y a une lotus. Et voilà. Et c'est ainsi que s'achève ce quatrième épisode du Let's Play de Most Wanted. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.